Merci de nous faire du bien ce soir. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nos regards sont fixés sur toi seul. Toi qui, n'est-ce pas, l'auteur du miracle, toi qui es encore capable de guérir et de délivrer. Et la Bible déclare que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Merci pour ta présence, notre Dieu. Nous voulons te saluer parce que tu es notre Dieu. Et en ton nom, nous chassons toute présence négative de cette salle au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons la maladie. Nous condamnons l'échec. Nous condamnons les jeux de la sorcellerie. Seigneur, merci de nous libérer ce soir. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Aïe, Jésus, pas d'accord, c'est bien, on a ici.
Qui croit sa délivrance ce soir? Alléluia. Tu as quelqu'un, tu seras délivré ce soir. Tu as quelqu'un. Parce que Jésus est vivant. Tu as quelqu'un qui sera délivré parce que Jésus est vivant. Amen. Tu seras délivré. Alléluia. Tu as quelqu'un, tu seras délivré parce que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Notre Dieu est Seigneur. On dit Amen. Amen. Moi, je crois à ta délivrance. Amen. Je sais que tout à l'heure, les démons lâcheront ton corps. Amen. Ils lâcheront tout à l'heure toute ta destinée. Amen. Parce que Jésus-Christ est puissant. Amen. On dit Amen. Amen. Élie est la conima. Matoto matako. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta vie, vis selon les pensées de ton cœur.
Parce qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Que nous voulons, que tu veux le pas, tu iras un jour rencontre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel existe, l'enfer existe. L'enfer est fait pour ceux qui n'ont pas Jésus. Le paradis est fait pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Parce que lui seul en est le chemin. Il est le chemin. Il y a, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il confirme qu'il est encore vivant, notre Dieu, par des signes, par des guérisons pathétiques, par des miracles. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. C'est ça qu'il faut croire ton miracle. Crois ce soir ta délivrance. Amen. 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 Koua Souzouo, abandonne et sabayo. Koua Souzouo. Du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui faut le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un ce soir, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis à quoi ton voisin, il te faut le Saint-Esprit. Dis encore, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parle à quelqu'un à côté de toi et dis lui, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre
1, à partir du verset 8. Amen. Le Saint-Esprit, vous savez, la... c'est la troisième personne de la Trinité. Si je peux m'exprimer comme ça, on l'appelle souvent le Paraclet. Allons-y. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Je parlais de l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais expliquer un peu dans les moindres détails certaines choses. On nous d'abord, puisque nous avons dans le domaine de la délivrance, quand il y a un vide, même la nature a horreur du vide. La nature, vous voyez, a horreur du vide. Vous savez, dans la vie d'une personne, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit méchant. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui anime une personne, c'est que c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Or, vous savez, quand une personne n'est pas animée par l'Esprit de Dieu, la personne est animée par un mauvais esprit. Et ça, on appelle la possession démoniaque. J'explique. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'une personne, dans le caractère de cette personne, ça se reconnaît. On voit la personne qui n'a pas le respect de Dieu, qui ne craint pas Dieu, face à même péché, ça dirige à cette personne. Et la personne peut tromper sa femme sans même un remords. La personne peut tourner dans des endroits où Dieu n'est pas, et ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que en cette personne, il n'y a pas cette prison de l'esprit qui veut lui dire ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Vous m'avez bien saisi? Amen. Parce que la personne, ce qui est en elle, c'est un esprit méchant, un esprit mauvais. Donc, la personne est conduite, le Saint-Esprit, le démon hein, qui t'habite, te conduit dans les choses qui n'ont pas Dieu. Amen. Amen. Oui. Or, si tu es conduit par un démon, il faut être convaincu que tu auras beaucoup de choses. Tu seras ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Au départ, l'homme s'était séparé de Dieu par le péché. L'homme a péché et l'homme s'est séparé. Et Dieu, dans sa souveraineté, va envoyer son fils Jésus-Christ pour réconcilier l'être humain avec lui, Dieu. Et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce fait qu'il est important pour nous, en tant qu'être humain, de rechercher la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit étant en nous, c'est lui qui nous donne cette capacité, cette force de pouvoir dominer le péché. Sinon, on est tous tentés. Amen. Amen. Mais qui nous donne la force de dominer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que la Jésus-Christ, quand il marchait avec les disciples, ses disciples ont dit, recevez le Saint-Esprit. Or, qu'on est animé par le Saint-Esprit, on dit un esprit qui est saint. Or, qu'on est animé par un esprit qui est saint, la chose qui d'abord nous anime, c'est l'amour. Notre cœur est caractérisé par l'amour. C'est pour ça qu'on est délivré, il ne faudrait pas qu'il y ait un vide en nous. Il faut que ce vide-là soit remplacé par le Saint-Esprit. Si le démon est chassé, sur ça vous allez remarquer dans le cœur, vous avez comme une force qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous avez bien envie de faire la volonté de Dieu, mais il y a notre esprit qui vous pousse à commettre des choses qui n'en ont pas le Seigneur. Or, toutefois que vous serez dans la dose d'obéissance de Dieu, c'est fini. Vous tombez sur le jugement de Dieu. Or, si vous pratiquez le péché, ce que la Bible dit, vous tombez sur le châtiment de Dieu, vous devez être exposé au démon. C'est ça qu'il nous faut le Saint-Esprit. C'est ça que c'était vraiment important pour Jésus-Christ. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit. C'est important que chacun d'entre nous soit animé par l'Esprit de Dieu. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. C'est quand tu es animé par le Saint-Esprit, cette force de Dieu, le Saint-Esprit donne cette force de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et comme on sent qu'on est habité par l'Esprit, c'est tellement clair. Dès qu'on commet un péché, il y a un remords.
Regarde immédiatement, commence à répéter le péché. Amen. Amen. Oui. On a vu ça dans la vie de David. Quand David a su qu'il avait péché, d'abord, le prophète est venu vers lui. Nathan est venu vers David. Et quand David a su que c'était lui, regardez la prière de David. Dans le psaume 51, vous comprenez très bien. Il dit, ne m'arrache pas ton Esprit Saint. Il ne t'éloigne pas de moi. Amen. Ne m'arrache pas. Vous savez, quand on n'a pas l'Esprit Saint, on a un esprit d'égarement. Et quand on a l'esprit d'égarement, nous sommes exposés à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que dès que l'esprit commence à nous animer, le Saint-Esprit produit en nous la crainte, on a peur. Même si on a commis même des péchés, mais il y a quelque part, on a envie de se repentir. On a envie de revenir dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un qu'il faut le Saint-Esprit. Ton seul problème, c'est que tu n'as jamais été conduit par l'Esprit de Dieu. Je te laissais conduire par la chair. Et le résultat, c'est ça. Parce que c'est qu'un homme aura mentionné, c'est même le mensonge. C'est comme ça. Tu n'as jamais été animé par l'Esprit Saint de Dieu. Tu te laissais conduire par un esprit qui n'est pas l'Esprit Saint. Or, quand tu es animé par un Esprit Saint, l'Esprit Saint t'amènera toujours dans la présence de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que quand David a péché, il a compris qu'il fallait entrer dans la présence de Dieu, du Seigneur. Et sa prière dans le psaume 51, il dit, ne m'arrache pas ton Esprit Saint, frère. Parce que pourquoi? Parce qu'il a vu l'homme à qui Dieu a arraché son esprit, Saül. Quand Dieu a arraché l'esprit à Saül, Saül a eu un esprit d'égarement. Saül a perdu position de la royauté. Saül a commencé à perdre les combats. Saül, c'était un homme fort, puissant, guerre. Et quand Dieu l'a arraché son esprit, il a commencé à perdre les combats. Ton seul problème, c'est que tu as perdu l'esprit. C'est ça qu'un petit peu allait te manger. C'est ça que la sorcellerie peut t'attaquer aujourd'hui, ta voix. Parce que tu n'es pas animé par l'esprit de Dieu. Tu ne cherches même pas à faire la volonté de Dieu. Or, quand quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, cette personne veut toujours plaire à Dieu. Quand cette personne pose un pas, elle pose la question, est-ce que ça plaît à Dieu? Regardez un peu Jésus, qui est notre exemple. Dans le jardin de Gethsémani, il était en face de quelque chose de terrible. Regardez dans le jardin de Gethsémani, il dit, mais que, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il cherchait toujours la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, la personne cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est ce qui est le meilleur pour nous. On n'est plus dans le plan de Dieu, on échoue partout. Alléluia. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est un bon compagnon, bien-aimé. Il est capable de te parler, de t'orienter. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est un bon compagnon. Quand il a lié une personne, c'est une bonne chose. Quand il va commencer à entrer dans ta vie, ce qui va produire dans ton cœur, c'est l'amour. C'est un élément très important. Il n'existe même pas dans le cœur de ceux qui appartiennent à Satan. Dis à quelqu'un qui faut le Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un qui faut le Saint-Esprit. Amen. Dès qu'il commence à se positionner dans ta vie, les choses vont commencer à aller l'amour. Alléluia. Amen. Ça va produire en toi la patience. Il y a beaucoup de choses de tout ça. Et le Saint-Esprit a venu te dire, effectivement, tu es enfant de Dieu. Quand tu seras confronté à quelque chose, même un péché, il va te ramener dans la présence de Dieu. Amen. Il va te ramener pour dire, non, ce que tu viens de faire n'est pas correct. Et tu vas commencer à pleurer. Or, quand quelqu'un est en face de quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne regrette pas ça, il n'est pas habité par l'Esprit. Amen. Amen. Or, c'est le Saint-Esprit qui viendra te dire dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. C'est ça qu'il nous faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te bénit davantage, il t'élève davantage, il te bénit.
Alléluia. Amen. Il y a avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ. On reçoit le Saint-Esprit. Mais Dieu aimerait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faudrait que nous soyons remplis. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, dès que la personne commence à parler à un démon, le démon est obligé d'obéir. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, un démon ne peut pas le fixer droit dans les yeux. C'est ça que Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous touchez un malade, le Saint-Esprit est obligé de guérir ce malade. Amen. C'est ce que vous lisez dans Luc, le chapitre 4. Vous allez voir que Jésus lui-même, pendant son parcours sur terre, Jésus a cherché à être rempli du Saint-Esprit. Nous prenons acte, et plutôt Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14. Écoutez très bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait dans tout le pays. Dans le verset 1. Dans le verset 1, le chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. Ici, quand on est dans le chapitre 4, le verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il a été éprouvé par l'Esprit de Dieu. Il a été tenté, tout ça. Mais quand vous lisez le verset 14, c'est autre chose qu'il dit là-bas. On dit, Jésus revêtu la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Et sa renommée, le président, se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les gens sentent en vous une force. Amen. C'est ça qu'on appelle la force de Dieu. Il voit en vous une solution. C'est vrai que vous êtes venu pour que le prophète Crasso prie pour vous. Mais vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a compris, c'est ça qu'il a commencé par le commencement. Il a dit d'abord, tu veux baptiser par Jean-Baptiste dans le désert, dans le Jourdain. Après avoir été baptisé par le Saint-Esprit, Jean-Baptiste, il a été conduit, rempli du Saint-Esprit, et conduit dans le désert où il a payé le prix. Et quand il est sorti du désert, la Bible fut revêtue de la puissance d'en haut. Et c'est à ce moment-là que Jésus a commencé le ministère de miracles. Il va rentrer dans le tabernacle, il va commencer à prêcher. Une femme qui était corrompue, comme bossue, va être guérie par Jésus. Et les miracles vont commencer. Pourquoi? Parce que Jésus a compris l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. D'avoir le revêtement de la puissance de Dieu. On ne considère même plus ta parole parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que pendant que vous parlez avec les gens, ils sont animés par un démon. Ce n'est pas une voix naturelle, ce sont les esprits. Or, quand tu es rempli du Saint-Esprit, dès que tu commences à parler qu'à quelqu'un qui est possédé, le démon se soumet immédiatement. C'est ça qu'il te faut, le Saint-Esprit. Comme ça, tu vas maîtriser ton mari dans le foyer. Dis amen. Amen. Tu vas maîtriser ta femme. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un qu'il te faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Oh, là qu'on a le Saint-Esprit, là où tu l'avais échoué, tu ne choueras plus. Quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, on lui s'est renommé. Ils ont commencé à parler de lui partout. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il commence à te positionner. Il te faut le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, il te faut le Saint-Esprit. Ici, il te faut le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Il nous faut le Saint-Esprit. Voilà. Il n'est pas qu'il est vide. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Amen. Pour que les démons ne puissent pas jouer avec nous. C'est pour ça que Jésus, vous recevez, restez ici. En tout cas, c'est que vient sur vous l'Esprit de Dieu. Et vous serez mes témoins. Il te faut le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui veut être béni ce soir? Amen.
Privé de Saint-Esprit ce soir. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout, nous allons prier un instant. Il y a besoin de la puissance de Dieu. Il y a besoin Amen. Que le Saint-Esprit nous remplisse ce soir. Amen. Nous allons s'en prier et demander au Saint-Esprit de nous remplir. Nous levons tous les mains et nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir. De nous remplir. Et je demande de prier et de réclamer la puissance de Dieu sur ta vie. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, ouvre ta bouche et parle, Seigneur. Je réclame la présence de Dieu. Oui, nous te prions ce soir. Viens et remplis-nous. S'il te plaît, Jésus-Christ, nous comptons sur toi et ta main. Merci de nous fortifier et de nous remplir de ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon. Nous te bénissons parce que tu es bon aussi. Merci parce que tu es bon. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. 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 Là où tu as été, la puissance de Dieu te visite.